Yo les mecs, c'est Mike. Alors, suite à un problème de montage, enfin d'enregistrement, nous n'avons pas le début de la vidéo. Donc, où je dis bonjour, si je demande si ça va et tout. Donc voilà, ça on ne l'a pas. Mais on n'a pas non plus un match qui est contre Courtrai. Donc le match de Courtrai, on ne l'a pas non plus. Donc voilà, vous aurez 3 matchs à place de 4. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que vous allez bien. Ciao! Un peu comme en vrai, on va dire, hein. Mais nous, on veut pas ça, nous. On veut que ce soit bon, que ce soit mieux qu'en vrai. En tout cas, on est là pour ça, pour que ce soit mieux qu'en vrai. Voilà, pour qu'on s'amuse aussi, un peu plus que dans le stade. Parce que, voilà. Même si on a les meilleurs supporters de Belgique, quand l'équipe joue mal, c'est pas comme si on s'amusait comme si on était premier, quoi. Donc, voilà, on avance les jours. Le prochain match en Europa League. Standard, c'est l'Europa League. Standard, c'est l'Europa League. Donc, contre Trabzonspor. Ah, on va essayer de remporter ce match. Message. On va aller voir ça, Ivan Santini. Dernièrement, j'étais en bonne forme. J'ai de bonnes sensations. Alors, j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Écoute, on va voir. Hein. On va voir, Ivan. Donc, on a quoi dans le calendrier pour cet épisode-ci? On a Trabzonspor en Europa League. Puis, le club de Bruges. Et Courtrai. Oula. Et on va essayer de faire l'Okerund aussi. Comme ça, on a fini le mois d'octobre et on pourra passer au mois de novembre dans la prochaine vidéo. Donc voilà, Trabzonspor en Coupe d'Europe. Faut gagner. Là, je pense qu'on a eu une défaite et un match nul. Donc, faut gagner. Voilà. On va changer quelques joueurs parce qu'on a Bruges. Après. Mais du coup, on va mettre Santini. On va laisser Aarons. Faut quand même une bonne équipe. Hein. On va mettre Bochilia. Loftus-Cheek qui est vraiment pas mal. Avec Eno. Andrade qu'on va mettre. On va mettre Sparania. On va laisser Scholz. Ici on va mettre Faye. Enfin maintenant. Non, on va mettre Arslan Agic. Ouais. Agic. Et Valdes. Sur le banc, on va laisser comme ça. Peut-être mettre Bruls. On va mettre. On va laisser comme ça. Allez, c'est parti, on va aller chercher cette première victoire en Coupe d'Europe. Et on joue le match, allez hop, let's go. C'est parti pour le premier match de cet épisode en Coupe d'Europe. Peut-être la première victoire. On verra, on espère. On arrive bientôt en fin de saison. Le Standard donc est en Playoff 2 et joue ce week-end contre Courtrai. Voilà, c'est pour la première place des Playoff 2. Donc j'espère qu'ils vont bien jouer au moins. Vu la saison qu'ils ont fait, ils méritent que d'être premiers. Enfin, ils méritent pas, mais ce serait bien d'être premier en Playoff 2 en tout cas. Pour être premier au moins dans quelque chose, même si on a remporté la Coupe de Belgique. Et on a notre billet en Coupe d'Europe, justement en Europa League. Donc voilà. Ah! C'est un mauvais passe. Allez! Allez, Arsène Agüero, allez! Voilà. Bah, y a rien du tout. Y a rien du tout. Les arbitres sur FIFA, pire qu'en vrai. Vraiment, c'est un truc à régler, ça, hein, les arbitres. Sur FIFA. C'est à cause de ça que t'as envie de jeter ta manette, hein, bien souvent. Bien joué, Valdes, facile. Voilà, donc. Carton référé. Comme je disais, c'est la fin du championnat. Il nous reste quelques matchs, hein. Donc. Voilà. Pour moi, le meilleur Standard Man, c'est. Ouais. Junior est bienvenu. Ça a été un très bon transfert. Maintenant, le meilleur joueur du Standard, qui ça aurait pu être? En tout cas, c'est déjà pas les gardiens. Les gardiens, cette année. Voilà. Hubert s'est bien défendu, mais voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Quoi jouer, hein. L'équipe était en bonne forme au moment où il est venu sur le terrain. Enfin, pas vraiment au moment, parce que le match avant, on était dernier, quoi. Mais je pense que la dernière place a réveillé un peu les joueurs. Le meilleur Standardman pour moi cette saison, c'est Mathieu Deceivis. Voilà. En réfléchissant un peu, Deceivis s'est donné vraiment à fond à tous les matchs. Et ça se voyait. Il essayait de faire son maximum, même quand il était pas. On voyait qu'il perdait beaucoup de ballons ou quoi. Il y allait quand même, mais bien souvent c'est lui qui débloquait la situation pour le Standard. Voilà. Deceivis pour moi a été un homme fort.
Et j'espère qu'il va rester. On parle de lui dans beaucoup de clubs. J'espère qu'il va rester au Standard au moins une saison en plus. En plus, on a l'Europa League. Donc voilà, il faut tout faire pour le garder. Le Vlad, justement, de Séville. Ah, j'ai cherché le pénalty, j'ai cherché le pénalty. Le Vlad, justement, de Séville, corner. Voilà, vers Santini, c'est bon ça. Oh! Ivan Santini. Santini, tout le monde le critiquait au début, hein. Et maintenant, c'est le meilleur buteur du Standard. Un qu'on devrait peut-être garder et laisser sa chance, au moins c'est Yatara. Ça fait autant qu'il a plus joué. Avec Angers, il n'a pas fait des mauvais matchs. Il a même marqué pour son premier match, quoi, son deuxième, troisième, il a marqué en tout cas. Donc moi je pense qu'on peut lui laisser sa chance, faut le temps. Le type il est jeune, il vient de Lyon, mais il a jamais joué, quasi il a joué 3 matchs. Donc ce serait bien de le laisser. Ici 0-0 à la mi-temps. Donc voilà, dites-moi en commentaire pour vous quel est le joueur du Standard, le meilleur joueur. Dites-moi juste un commentaire pour vous le meilleur joueur du Standard cette saison, si vous avez suivi la saison. Et nous, on va se concentrer, on va essayer de marquer. Allez, ça. Bon, c'était beaucoup franc. Là, je crois que c'est bon pour à gauche. Ah non, on l'a pas. Tant pis. Tain. N'oubliez pas de me dire aussi quel mode de jeu vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos. Comme la carrière pro ne marche pas bien, soit je continue la carrière pro, soit je fais autre chose. Mais si je dois faire autre chose, dites-moi quoi en commentaire. Je peux faire du foot, hein, Ultimate Team. Je peux faire d'autres jeux aussi, comme Just Cause, NBA, Need for Speed, GTA. Voilà, dites-moi en commentaire aussi, ou sur Facebook, ou sur Snapchat aussi, sur Twitter. Twitter, je viens d'arriver aujourd'hui jeudi, sur Twitter. Donc voilà, c'est MikeGaming17. Donc vous pouvez aller me suivre sur Twitter et me dire donc de quel jeu je pourrais faire dans les prochaines vidéos. Voilà, j'ai déjà quelques idées, mais c'est à vous de choisir aussi. Allez, 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 allez. Un jour à l'improviste, je suis tombé amoureux. Mon cœur s'est mis à battre, me demande pas pourquoi. Les années ont passé et je suis toujours là. Hier comme aujourd'hui, on chantera pour toi. Allez, 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 allez. Voilà, regarde, il faut chanter, Boschil est à la frappe. Oh non. Allez, allez. Lui, il fallait qu'il sorte. Oh non! Belle frappe de faille. Dommage. Allez, oh, tu la donnes, tu la donnes. Non, pourquoi il fait là? Moi, je voulais aller chercher la tête de Santini. Allez, allez, allez. Encore une défaite, les gars. Encore une défaite. Bon, va falloir gagner 3 prochains matchs en Europa League si on veut aller faire quelque chose dans la compétition. Au moins passer les phases de poule, quoi. On a déjà été plus loin qu'en vrai, c'est déjà ça. De rien, trop bien marqué. Bon, maintenant Bruges, on est 7e, les gars. Bruges est 2e. Si on gagne, on peut revenir à leur hauteur, à un point. Mais bon, il faut gagner. On va gagner, les gars. La Chine, bah oui. Bien sûr, pourquoi pas. La Chine. Allez. On avance jusqu'au match. On échoue, là.
N'oubliez pas, hein, dites-moi en commentaire quel jeu, quel mode de jeu, ou alors je peux continuer la carrière pro si vous voulez. Hein. Mais voilà, si je dois continuer, essayez de partager, de commenter, de voilà, faites quelque chose quoi, parce que moi ça me motive pas du tout de continuer là-dedans. Edmilson, Dompé, Iheanacho, Magnatis très belle, Choj, Kuzanovic, Kakuguru, Aldes, on a même Pereira. Donc voilà, Santini, Aarons, Dosevi, Boschilia, Enos, Paragna, Hubert sur le banc. Ouais. C'est Côte Bruges, donc oui. On va rester comme ça. C'est parti. Match Côte Bruges, les gars, on les a battus en Coupe de Belgique. 2-1. Donc j'espère qu'on va les battre là aussi 2-1 au moins. Au moins 2. Même 1-0, je serais content. Vossen. Qu'est-ce qu'il a, Vossen? Meilleur buteur? Maric, meilleur buteur. Gerhards. Ok. Ça se voit que c'est FIFA, les gars. Bon, allez, c'est parti. Bien joué, Pereira. Ah non. Oh, il est blessé. Lukaku, c'est pour toi. Oh non. Bien joué, Valdés. Oh, Junior, voilà. Ah non, trop long. Bien joué. Voilà. Dompé. L'homme fort de cette carrière. Regardez ça. Oh là là. Bon là j'ai fait un peu le con. Mais regardez ça. Dompé. Fort, franchement. Sur FIFA, très fort. Même en vrai, hein. Même en vrai, il est fort, hein. Voilà, bien joué, très belle. Écarté, Dompé. Ah. C'est pas pour ça qu'il faut aller le chercher tout le temps, hein. Mais... Il peut pas passer comme ça. Il peut pas passer comme ça. Heureusement qu'on a Valdés, c'est qu'il est meilleur dans le jeu. Hein. Non, mais franchement, Valdés, beaucoup le critiquent. Parce que voilà, ils croient trop que c'est un robot, les gars. Ils croient trop. Ils croient trop que c'est un robot. Enfin, je sais pas. Les goals qu'il se prend, quasiment il sait rien faire, c'est bon. Il y a quelques goals où il fait une erreur, mais ça arrive à tout le monde. Le type il a plus joué depuis 2 ans, il va pas faire des miracles. C'est pas parce qu'il a gagné la Coupe du Monde et la Champions League et qu'il a joué au Barça qu'il va tout prendre. Courtois fait des erreurs, Mignolet fait des erreurs, Casillas fait des erreurs. Regardez, la Coupe du Monde de Casillas, c'est pas pour autant que voilà, on a craché sur le joueur. C'est quand même un joueur à respecter vu son palmarès. Et il est là, il a amené son expérience et voilà, c'est bénéfique quand même pour l'équipe. Donc voilà, c'est même pour Hubert d'apprendre à côté d'un joueur comme ça, être à l'entraînement avec, avec un joueur comme ça. Même si Hubert fait le fort, non, je suis tout seul moi, hein. J'apprends tout seul. J'ai appris tout seul. Je suis sûr qu'il a donné pas de conseils et que Hubert est bien content d'avoir eu ces conseils là. Donc voilà, le choix des gardiens, au standard, dites-moi, vous préférez qui? Hubert, Thuram. Bon, Thuram, il a eu sa chance à Moncron, il n'a pas saisi. Maintenant, d'après ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas vu le match, mais il y en a qui disent qu'il ne sait rien faire sur le coup franc, apparemment il se prend un coup franc ou un truc comme ça. Et il y en a qui disent qu'il doit faire quelque chose, mais bon, les supporters parlent assez vite et pour eux, là le 1-0. J'arrête de parler. Donc les gardiens, il faut les rendre. Enfin, dites-moi en commentaire qui vous préférez, Hubert, Valdés ou Thuram. Moi perso, j'aime bien Valdés. Non, Hubert n'est pas mauvais, il est très bon, hein. Je dis, j'irai contre le garçon, mais ça n'égale pas un Bolat ou un Rounier qu'on avait. Bolat qui ne fait rien, Bruges. Est-ce qu'il pourrait revenir au standard? Pourquoi pas? Et lui, il va garder le ballon longtemps, là, putain.
qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On donne le ballon à Dompé et on passe tout le monde? Limite, c'est même pire qu'en vrai là. Enfin, non, là-bas, c'était quand même pris un beau 7-1, je crois, ou 7-0. Dompé. Dompé. Oh, quel arrêt. Corner. Oh, et on va essayer de sauver l'honneur au moins. Battu par le club brugeois. Que dire? Pire qu'en vrai. Pire qu'en vrai, je te le dis. Deux tirs. Faut que j'arrête de parler. En vidéo, ça marche pas. Hein. Là, je fais une carrière hors vidéo avec Sochaux. Je suis premier en Ligue 2. Je gagne quasiment tout le temps. Et là, non. On est toujours septième. Voilà, on peut vite remonter après, c'est pas un souci, mais bon. C'est lourd, quoi. Tete Loftus Espagna, Iheanacho. Edmilson, allez hop. Éliminé vis-à-vis. Voilà. Oh, j'ai simulé. Pas fait exprès, c'est tellement que je suis concentré. Enfin, je me demande comment je vais faire en tout cas pour gagner un match. Les joueurs en Angleterre, on s'en fout. Bon, match contre Courtrai. Ben, c'est le moment de passer devant eux. S'ils sont juste devant nous, ils sont 6e avec 16 points aussi. Donc, c'est le moment de passer devant eux. Il faut gagner ce match. On est chez nous en plus. On doit encore changer toute l'équipe. On va mettre Bruls. Santini, Dosevi, Bochilia, on verra après. Eno, Loftus-Cheek, Andrade, Spagna, Arsenagic. On va essayer Fiore. On va faire un peu jouer Fiore. Pardon, il sait jouer à droite, non? Ah non, à gauche. Bon, c'est pas grave, c'est la même chose. Et ici, ben, Bochilia. Regardez quand même sur le banc. Ouais. Aymon peut-être mérite aussi sa chance. On va le mettre sur le banc. Aymon. On va mettre Badibanga. On va mettre Tete aussi, Toconnière, Ochina. Faille. Et Arons. Voilà. On va jouer comme ça. Face à Courtrai. On a quand même une bonne équipe, donc on va essayer de remporter au moins un match. Ça. Pire qu'en vrai, je vous ai dit. Pire qu'en vrai. Nous, on aura les playoffs 3, nous. Même s'il n'y a plus. Jouer ça. Allez, Arons. Montre-nous que t'es une bonne recrue. Pas grave, allez. Eno, il est pas là. Eno, il était pas là. Bien joué, très belle. Et voilà, Junior Edmilson. 1-0. Junior Edmilson. Junior Edmilson. Junior Edmilson. Ah, je crois que c'est le meilleur transfert de cette année, quasi. Bien joué, Samaniatis. Dompé. Dompé. Là, on est chaud. Là, on est chaud. Là, on est bon, là. La victoire nous a fait du bien, il me semble. Junior.
On est bon là. Très belle. Oh la frappe. Aïe aïe aïe. Là on est bon. C'est mieux de voir des matchs comme ça, c'est mieux. Allez les gars, allez. Vous pensez quoi ça de Yannick Ferrat qui fait jouer les jeunes en playoff 2? Maintenant on n'a pas grand chose à espérer parce que de toute façon on est quand même en Europa League, donc on est là pour jouer quoi, on est là pour s'amuser. Donc vous pensez quoi des jeunes qui jouent pour le moment en playoff 2? Je pense qu'il y en a qui sont prometteurs, hein, comme Tété ou le jeune, la Farouk Oumia, là, qui a été très bon. On a aussi Mae, le frère Mae, bon, le défenseur Mae. Maintenant, les prénoms ne me demandez pas, mais le défenseur a une rouge après 2 minutes. Je sais plus combien de minutes, hein, mais bon. Dis ça comme ça. On n'a pas eu trop le temps de le juger. Mais l'attaquant, il n'a pas été si mauvais que ça. À voir. Quoi. Non, il y en a eu d'autres. Hein. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas été si mauvais que ça. C'est prometteur en tout cas pour l'avenir. C'est, voilà. Pas mauvais. Ah, je crois que c'était fini. Moi. 1-0 à la mi-temps. Ça va, c'est pas mal. Gang gang, Hendrik Per, voilà, Hendrik Per contre Bruges. Donc il faut gagner, il faut gagner. On y va. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. Dompé. Dompé, ça va être un joueur très important l'année prochaine avec Junior Edmilson. Allez, c'est parti, les gars. On joue comme il faut. Très belle. Il est parti, Tété. Frappe. Ouais, je l'ai vu arriver. La jaune. Alors, c'est limite orange, même rouge là. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est une jaune. Et c'est rouge carrément. Ah, les arbitres sur FIFA là. Laisse un like si tu penses qu'il faut changer les arbitres sur FIFA. Foutu tété. 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 0-2. Bien joué, Benjamin. C'est Benjamin. Hein. Benjamin Tété. Non. Ouais, bien joué, Kozanovic. Tété. Il n'y avait personne. Je voulais remettre à Kozanovic, mais il s'est barré, le con. Bien joué, Junior. Valdez. On l'a vu là, Aarons, qui ne sait plus courir, donc il frappe et c'est à côté, largement à côté même. Hein. Rolando Aarons. Belle tête. Santini. Santini est chaud. Santini va planter un goal. Non, il la met à Junior. Junior qui ne court plus, mais qui la récupère. Le centre un peu raté. Oh non. C'est pour Valdez. Fini. 2-0, voilà, 2 victoires, bien joué. 2 victoires, c'est déjà bien. Enfin, on joue comme il faut, j'ai envie de dire ça. Hein. 2-0, deuxième victoire d'affilée. Voilà, après un début difficile, une défaite et un match nul. Non, deux défaites. Donc on a Bruges qui bat Anderlecht. Maintenant, on joue en Europa League contre Braga, mais ça sera dans le prochain épisode. J'ai l'impression que les épisodes vont de plus en plus vite. On va les motiver. Je ne compte pas passer toute ma carrière sur le banc. Il veut être vendu lors du prochain mercato. Ben, pas de soucis. De toute façon, il jouera pas. Merci coach, c'est vraiment appréciable d'avoir pu jouer aujourd'hui. Mais de rien. Et lui, il s'est reposé, il est content aussi. Tout le monde est content. On gagne. Donc voilà, on va aller voir le classement. Europa League, on s'en fout. On est toujours quatrième, mais on revient. Hein. On revient. On est à 2 points de la 3ème place. À 5 points de la première place parce qu'ils sont égalité, donc voilà, c'est bien, c'est pas mal. On n'a qu'une défaite, hein, contre Bruges, mais 7 nuls, 5 victoires, donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, il faut essayer de remporter tous nos matchs en Europa League
Donc au Tottenham, Trabzonspor et Braga. Pour essayer d'être qualifié. Ensuite, on va aller faire un petit rapport d'équipe. On va aller voir un peu. Valdés plus 2. Ouais, pas mal la Valdés. Il est bon, vous voyez? Gore plus 1. Scholes, Kozanovic, ok. Lukaku, ok. Lukaku, il a pas encore augmenté. Maintenant, il fait pas des grands matchs non plus. Voilà, c'est pas mauvais. Très belle, ok. Magnatis plus 1. Deux passes décisives pour Magnatis. Pereira plus 1. Mathieu Dosévi, un goal. Iheanacho, deux goals, une passe décisive. Mais il a déjà un plus 1 aussi. Aarons plus 1 avec deux goals. Dompé, deux goals, deux passes décisives, plus 2. Plus 3 pour Sparania. Il mérite de jouer un peu plus. Boschilia, plus 2. Pas mal. Santini, 4 buts. Voilà, il fait des bons matchs. Hubert. Eno, un but, mais moins 1 qu'il a. Plus 1 pour Junior. Voilà, plus 5 pour Tété. Voilà, hein. Tété. L'avenir, hein, Tété. Badibanga, l'avenir aussi. Plus 2. Rochina, plus 2. Et mon plus 1, malgré qu'il ne joue pas beaucoup. Ah si, il a quand même joué 5 matchs. Ah bon. Antarade, plus 1. Loftus-Cheek, plus 3. Plus 2 pour Fioré, plus 1 pour Sanagic. Et voilà, on a Mpoku qui est prêté, qui est Vauveron. Osturk plus 1. J'espère qu'il va revenir, lui, au Standard. Donc dites-moi en commentaire si vous espérez qu'il revienne aussi. C'est un bon joueur. Mohamed Diatara. Zhukov plus 1, je ne connais pas. Marquet plus 1. Milic, Mbombo, Jozevic. Mae plus 2. Vits plus 3. Samiem. Ah ben voilà. C'est Samiem Mae qui a eu la rouge alors. Et ben voilà, c'est fait pour le rapport d'équipe. On a les entraînements. On va les simuler, comme ça ira plus vite aussi. On va mettre Dompé pour un peu changer. Voilà. Et voilà, plus 1 pour Iheanacho en plus. Donc voilà, c'est ici que se termine la carrière. La carrière. C'est ici que se termine l'épisode avec la carrière manager. On se retrouve la semaine prochaine avec la carrière manager et même peut-être un nouveau jeu. À la prochaine. Ciao!